Yes.
grinto radi di fenta lo shita in amani. Zapaej rondebe katu sokle enenias. Sundaria du sa de gleada. Salenenian to sokle de vehenia suta. Elebrado so te dia. Redebebe conta la dia siflenenima. Zife andodo sucle de vehania. Beia iam, beia iam, se produce tenne le cose. Chatele de gleso. Ai, 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 ai. Ai, ara de mama. Sharada da cu. Parre de
reglinto radidi fena lo shita ina mani. Zapaej rondebe katu sokle enenias. Sundaria du sa degleada. Salenenia to sokle deveheia suta. Elebrado sote dia. Redebebe conta la dia siflenenim. Je t'adore, je t'adore. Ya, sauve ya ta ya edo, si fe ando do sucle de vehania. Beia ia, beia ia, se produce te nene cosa, chatele de gleia so. Ai, 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 ara de mama, charada cu. Bonsoir à tous, est-ce que l'on me reçoit? Est-ce que l'on m'entend bien? Ok, je suis très content d'être là ce soir. Shalom, mon Dieu, Julie. Bien, bonsoir. Alors, si tu m'entends déjà d'entrée de jeu, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin en commentaire « Bienvenue dans le mois de novembre ». Donc, si tu peux m'aider à dire à un voisin en commentaire « Bienvenue au mois de novembre », tu peux le mettre en commentaire, s'il te plaît. « Bienvenue au mois de novembre ». Aide-moi à le dire à ton voisin juste en commentaire. Si tu souhaites à quelqu'un la bienvenue, est-ce qu'on peut le mettre en commentaire? Bienvenue au mois de novembre. Si tu parles anglais, tu peux le mettre en anglais. Bienvenue dans le mois de novembre. Que Dieu te bénisse, Marthe, que Dieu bénisse toutes les personnes qui souhaitent la bienvenue aux autres. Alors, nous sommes déjà dans un mois de novembre. Donc, novembre est l'avant-dernier jour. Donc, novembre est le 11e mois de l'année. Et
Le chiffre, le nombre 11 est composé d'un chiffre particulier qui est 1 fois 2. Donc, 1 plus 1, pour ceux qui connaissent la loi de la gématria, la loi de la chiffrographie, 1 plus 1, c'est égal à 2. D'abord, 1 est le chiffre du commencement. C'est le départ. C'est le chiffre du commencement. Donc, on parle de 1. C'est aussi l'unité. Mais quand on fait 1 plus 1, ça nous renvoie à 2. Donc, 2, c'est la dualité, c'est la confirmation, c'est l'opposition, c'est la confirmation. C'est-à-dire que quand on étudie certains textes bibliques, on voit comment Dieu, s'adressant à des êtres, à ses serviteurs, il appelle deux fois Moïse, Moïse, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. Donc, il confirme, parfois même il dit ainsi parle l'Éternel. Il répète ça deux fois, c'est le signe de la confirmation. D'entrée de jeu, ici, j'aimerais déclarer, in the name of Jesus, que toutes les paroles qui t'avaient été dites via un homme de Dieu, ou via Dieu, via un songe, quel que soit le moyen par lequel ces paroles ont été déclarées sur ta vie, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu rentres dans l'accomplissement et la confirmation de ces choses. Au nom de Jésus, est-ce que je parlais aux esprits qui sont ici? Est-ce que je suis en train de parler à Idriès ou bien je parle aux voisins? Amen. Si quelqu'un est là, que cette personne me donne un amen particulier. Ok. Alors, avant de prier, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà prophétiquement, d'entrée de jeu, dire à certaines personnes ici que le mois de novembre est un mois particulier, mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est un mois de facilité. Vous savez, même quand Dieu bénit, il bénit avec des étapes, il bénit aussi avec certaines épreuves. Il y a des événements par lesquels nous passons, qui peuvent être considérées comme des épreuves, elles ne sont que des bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque épreuve vient avec deux choses, une autre dimension, mais aussi une autre dimension, hein, mais aussi avec un autre niveau de sagesse. Donc, quand nous passons par différentes épreuves, Dieu amène dans l'épreuve deux choses. Premièrement, il nous amène une autre dimension. C'est dans ce sens aussi qu'il est écrit que la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Deuxièmement, il vient dans l'épreuve aussi, s'ajoute un autre niveau de sagesse, un autre niveau d'intelligence, un autre niveau de connaissance. C'est dans ce sens que tu dois apprendre dans chaque épreuve par laquelle tu passes à différencier, apprendre, ou j'ai envie de dire attirer la sagesse de Dieu pour la situation par laquelle tu es en train de passer. Si je parlais aux esprits, j'aimerais qu'on me donne un commentaire des amen ici. Donc, il est important de chercher d'abord, ou du moins il est important de connaître quelle est la sagesse, quelle est la connaissance, ou qu'est-ce que Dieu aimerait que je puisse acquérir au travers cette épreuve, au travers cette situation. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, il y a certaines situations par lesquelles nous passons, dans lesquelles Dieu connaît déjà l'avenir. Mais il veut d'abord te faire passer par cette étape-là pour te permettre de grandir. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. On grandit par l'éducation de la maison, de nos parents. On grandit par l'éducation scolaire. On grandit par l'éducation de la rue. Mais au-delà de ça, il y a aussi certaines situations clés qui nous poussent à grandir qu'on ne veut pas. Il y a certaines situations de nos vies qui viennent comme avec une force. Et il y a un moment donné qu'on est chaos. Mais ces situations-là, au sortir d'elles, que nous le voulons ou pas, nous acquérissons. On dit ça, j'espère qu'on dit ça comme ça, nous acquérissons, nous acquérissons. On prend de la sagesse. Voilà, je vais le dire ainsi. On me dit que le son n'est pas bon. Est-ce qu'on m'entend très bien? Oui, on t'entend. Oui. On t'entend très bien.
Il y a des gens qui ont du mal à m'entendre. Comme dit le son de là. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est que le son n'est pas bon. Vérifiez aussi que vous avez monté le volume chez vous. On me dit le son, il est bas. Bon. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que l'on m'entend? Je dis mieux la musique. Est-ce qu'on m'entend mieux? Pour ceux qui ne m'entendent pas. Ou pour ceux pour qui le son était bas. Si on peut me faire signe rapidement, je vais avancer. Ok. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai besoin d'interaction quelquefois en commentaire. S'il y a des personnes chez qui il n'y a pas de bruit, bien sûr, vous pouvez activer vos micros pour réagir. Ça me permet de savoir si vous êtes avec moi, si on m'entend. Voilà. Je veux un feedback, en fait. C'est important pour moi. Au moins, je saurai que je ne suis pas seul. Avant tout, je vais prier. Et on va entrer dans le jeu. Père, nous te bénissons et nous te vassions. Merci pour ce soir. Merci pour ce premier dimanche du mois de novembre auquel tu nous confères la grâce de vivre celui-ci. Père, je prie comme un prophète et fils de prophète. Que durant ce mois de novembre, tu nous donnes la capacité, Père, de vivre des choses même que nous n'avions jamais vécues avec toi. Que tu nous donnes, oh Dieu le gloire, la grâce de te chercher comme nous ne t'avons jamais cherché. Et par-dessus tout, que tu nous gardes auprès de toi. Dans le nom puissant de Dieu. Ce soir, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux et ouvre notre compréhension, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Alors ce soir, avant de prier, parce que nous allons prier ce soir, j'espère déjà que vous avez préparé vos huiles. Et pour ceux-là qui ont leur dîme, vous pouvez déjà la mettre ou la mettre à côté de vous, je ne sais pas comment. Pour ceux-là qui font les affaires, prenez quelque chose à faire avec votre business, votre entreprise. Gardez cela à côté de vous. Nous allons prier ce soir. Et avant de prier, j'espère aussi pour ceux qui sont sur Facebook que vous m'entendez très bien. Avant de prier, j'aimerais d'abord nous entretenir pendant quelques temps sur un message que j'ai apprêté. Ce sera la partie 1. Et sûrement, selon que Dieu fera, il y aura une partie 2. Alors, le message dont je partagerai ici ce soir pourrait s'intituler comme tel, les codes de la richesse. Les codes de la richesse. I repeat again. Les codes ou the key, les clés, si vous voulez, les codes ou les clés de la richesse. Les codes ou les clés de la richesse. Pour ceux-là qui prennent des notes. Des codes, je reprends, ou les clés de la richesse. Les codes de la richesse. Aide-moi à mettre en commentaire les codes de la richesse. Aide-moi à répéter cela à ton voisin en mettant cela en commentaire. Les codes de la richesse. Vous savez, je me suis rendu compte avec un peu plus de recherche, de lecture et aussi de méditation qu'en fait, la richesse, excusez-moi, ne pourra jamais être l'apanage de plusieurs personnes. Nous sommes au culte de bénédiction. Et quand je parle de richesse,
au-delà du sens ouvert que cette expression puisse avoir, je m'attelle d'abord à parler du sens clé qui est l'apport matériel, donc qui est le matériel ou bien qui est l'argent. Quand je parle de richesse, au-delà de tout ça, de l'ouverture du mot, je m'attelle d'abord à parler sur le fait d'être riche matériellement ou financièrement. C'est sur cela que je serai beaucoup plus centré ce soir. Église, j'aimerais vous réitérer une chose que j'ai déjà dit ici plusieurs fois. Le désir de Christ, selon Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Donc, Dieu a pour but ou a pour désir que chaque homme sur cette terre, en d'autres termes, chacun de ses fils et de ses filles, puisse prospérer. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand on parle de la prospérité, au-delà du sens aussi vert que l'on puisse avoir de cette expression, la prospérité se renvoie aussi à la richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle de prospérer, quand on parle de prospérer, je te souhaite la prospérité, ça se renvoie à la richesse. Donc, le but de Dieu, le but du moins, le désir de Christ, est aussi que ses fils et ses filles puissent prospérer. Mais le constat fait, c'est que sur cette terre, tous les chrétiens, que l'on le veuille ou pas, ne pourront jamais être riches. Tout le monde, que l'on le veuille ou pas, ne pourra jamais prospérer. Parce que vous devez comprendre, Église, à chaque fois que Dieu émet un souhait, quand on me cherche ce texte rapidement, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards. À chaque fois que Dieu émet un souhait, c'est parce qu'il souhaite que, il désire que ses enfants puissent vivre cela. Mais pour que ses enfants puissent vivre cela, il faudrait que chacun d'eux puisse entrer en contact avec les codes qui permet de vivre cela. Le Christ, le Dieu dit, je souhaite, son désir, c'est que chaque individu sur la terre, chaque chrétien puisse prospérer. Mais dans le souhait, il y a une volonté cachée. C'est que je souhaiterais que tu prospères certainement si tu puisses rentrer en contact avec les codes qui te permettront de naviguer dans la prospérité à laquelle je te souhaite. Ah, désolé pour le français, je ne sais pas si on m'entend bien ici. Que l'on m'aide rapidement à chercher ce texte, je ne sais pas où ça se situe encore. Alors, c'est ainsi que vous devez comprendre, Église, que pour atteindre la prospérité, pour atteindre la richesse, il y a un chemin par lequel on doit passer. J'ai aimé l'expression qu'un homme de Dieu a dit un jour. C'est un prophète que j'admire beaucoup. Il a dit, durant l'un de ses enseignements, il a dit, ok, 1 Jean 1, verset 2, merci. Il a dit, on enseigne beaucoup les gens, ou on enseigne l'Église, on enseigne beaucoup l'Église à donner la dîme. La dîme, c'est 10%. Autrement dit, c'est le 1 dixième, 1 sur 100, ou c'est 10%. On enseigne beaucoup les chrétiens à donner la dîme, donc à donner 10%, ou à donner un dixième, à donner le un dixième. Mais on ne enseigne pas aux chrétiens comment gérer le un neuvième après avoir donné le un dixième. C'est ce qui fait que plusieurs chrétiens respectent, je dois donner la dîme, papa, ma dîme. Beaucoup se privent même à donner la dîme, mais beaucoup ne savent pas comment gérer le 1 neuvième après avoir donné le 1 dixième. Et j'ai envie un peu de m'atteler sur ça ici. Tu peux donner le 1 dixième, mais si tu n'as pas les codes pour gérer le 1 neuvième, tu auras l'impression que ta vie n'avance pas. Et à un moment donné, tu seras empêché de donner le 1 dixième. La dîme,
Thank you, Holy Spirit. La dîme est un principe qui vient pour élever le 1e. En fait, le chiffre 10, selon la loi de la numérologie ou la gématria, pour ceux qui ont fait les cours théologiques, ils vous diront que le chiffre 10, c'est le chiffre de la globalité. Quand tu donnes la dîme, parce qu'on ne paie pas sa dîme, il y a une différence entre payer la dîme et donner la dîme. On ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Quand tu donnes la dîme, tu es en train de dire indirectement à Dieu, je te donne tout parce que le chiffre 10, le nombre 10, étant pour moi, 10 est le nombre de la globalité. C'est le nombre qui inclut plusieurs au travers 1. Quand tu donnes le 1 dixième, tu donnes tout, mais on ne donne qu'une partie du 1 dixième. C'est ainsi que la dîme n'est pas la chose que l'on donne après, mais c'est la première chose qui s'enlève avant tout. Parce que la dîme est aussi une forme de prémisse. Pour ceux qui ont fait le jardinage, j'en ai fait un peu, ils savent que dans le domaine de la plantation, les premiers, quand on plante pour la première fois là, les premières récoltes, on ne blague pas avec, les toutes premières récoltes, ça a un côté un peu sacré. Et il y en a d'autres qui prennent les premières récoltes là, elles font sécher et mettre à côté. Parce que prochainement, on va se servir des premières récoltes afin d'amasser encore, afin de pouvoir planter. Quand tu plantes le frelon, le zèle, ou bien il y a encore d'autres, le frelon, le zèle, ou l'épinard, les premières récoltes, on cherche d'abord à prendre et à réserver un peu. Donc, on met quelque chose à côté qui nous permettra de pouvoir replanter encore demain après-demain. Je suis en train de vous parler ici sur la dîme. Alors, je vous pose une question à laquelle j'apporterai quelques réponses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire après avoir donné le 1 dixième? Comment gérer son 1 dixième? Comment gérer ses finances? Afin que, après avoir donné sa dîme, on ne puisse pas se retrouver en manque. On ne puisse plus se retrouver en manque. Qu'est-ce qu'on peut faire en griffe pour accroître les finances? Pour accroître les finances. Pour accroître les finances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelqu'un a dit en faisant la planification, c'est super. Rebecca a dit en faisant la planification. Ouais. En faisant la planification. En faisant la planification. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. Le premier point déjà que je vais vous donner se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Donc, le but de cet enseignement, c'est que quand nous terminerons ce moment, tu vas être capable de savoir comment tu pourras gérer tes finances après. Après ce moment, quand tu as enlevé ta dîme, premièrement, je reprends, la dîme s'enlève premièrement. Quand tu reçois 100 000 francs, la dîme de 100 000 francs, c'est 10 000. Donc, la dîme, c'est, on va en parler assurément prochainement, la dîme est une adoration que l'on donne à Dieu, qu'on offre à Dieu en disant à Dieu, tu es premier en tout et pour tout dans ma vie, même dans mes finances. Je vais stopper certaines personnes. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas donné la dîme, mais qui ont donné le 1 dixième. Il est possible de donner le 1 dixième sans donner la dîme. Parce que Éphésiens chapitre 6, verset 18, trouvez le texte et soyez prêts pour la lecture. Je veux deux versions différentes. Parce que quand on donne la dîme, ce n'est pas d'abord le 1 dixième que l'on donne. Tu peux donner 1 dixième, mais tu ne donnes pas ta dîme.
Tu as donné le 1 dixième. La puissance et l'impact de la dîme se trouvent dans la conscience de celui qui donne sa dîme. Est-ce que je peux aider des gens ici? Est-ce que je parle à un esprit ce soir? Si toi tu reçois 100 000 francs et que tu te dis, bon, j'ai reçu 100 000 francs, bon, qu'est-ce que je vais faire? Mon 100 000 là, tu dois d'abord payer mon loyer. Après le loyer, c'est 60, c'est 50 000. Si j'enlève 30 000 francs, ça fait la nourriture du mois. Donc 100 000 plus 30 000, ça fait 80 000. Va rester combien? Va rester 20 000. Ah, j'ai la dîme. Tu enlèves 10 000. Bon, ça, c'est la dîme. Bon, les 10 000 qui restent là, c'est le taxe. Tu prends les 10 000 que tu as enlevés là. Tu vas chez le pasteur. On dit moment de dîme. Apportez vos dîmes. Tu prends, tu mets dans l'enveloppe. Tu vas, tu les poses. Et après, on prie pour vous. Tu n'as pas donné la dîme. Tu as donné le 1 tiers. Parce que pour ceux qui sont au ITS, j'ai l'habitude de dire, il y a une attitude quand on donne le fond. Un. Deuxièmement, la dîme est d'abord la première chose consciemment que tu dois avoir. C'est-à-dire, quand tu as ton argent, la première chose à laquelle tu dois penser, ce n'est pas d'abord payer le loyer, c'est d'abord la dîme. Parce que tu dis à Dieu, c'est la conscience permanente que tu as de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu qu'il est constamment dans ta tête et toi tu penses d'abord à payer le loyer et après tu dis tu payes ta dîme. C'est paradoxal. Or, la Bible dit Dieu, il est alpha et oméga. Dieu n'est pas au milieu. Dieu, il est au commencement et il est fin. Il n'y a jamais au milieu. Et il y a des choses même pour lesquelles Dieu n'est pas commencement. Il y a des choses même pour lesquelles Dieu n'est pas fin. Il y a des choses pour lesquelles Dieu est né au début, il reste au début. C'est la raison pour laquelle je répète encore une chose. Beaucoup payent le 1 dixième et ne donnent pas le dîme. Deuxième point. Pourquoi? Parce que la dîme est une attitude d'adoration. Vous savez, la puissance dans la dîme, ce n'est pas le fait de donner l'argent, non. Gardez votre argent. La puissance dans la dîme, ce n'est pas le fait d'apporter, parce que la dîme peut être financière, elle peut être matérielle. Ce n'est pas seulement le fait d'apporter quelque chose, non. C'est l'attitude, c'est la puissance de nos corps, ou de la dîme, se trouve dans l'attitude. Si tu murmures en donnant la dîme, tu ne donnes pas la dîme, tu donnes le 1 dixième. Et si tu le fais en murmurant, tu t'amasses des péchés compliqués. Je préfère te dire, si tu ne veux pas donner, ne donne pas. C'est comme l'offrande. Si tu ne veux pas donner, l'offrande ne donne pas. Ce n'est pas le même que Christ dit. Que si quelqu'un a quelque chose pendant la période des offrandes contre son frère, qu'il laisse son offrande là et qu'il va d'abord régler. Parce qu'une offrande que l'on donne dans les moments de colère, une offrande que l'on donne dans les moments de colère est une abomination, c'est un jugement qu'on amasse sur sa tête. Je vous parle comme étant un esprit. Une offrande ou une dîme, quelque chose, une offrande que tu donnes, sachant que ton cœur n'est pas en bon état, soit avec Dieu ou bien avec quelqu'un de ta seule conscience, c'est une abomination que tu appelles sur ta vie. C'est aussi à peu près dans ce contexte que Christ disait, l'apôtre Paul, je crois, autant pour moi, qu'il y a des personnes qui ont pris la Sainte-Sainte juste pour prendre et ça causait des maladies, des paralysies, des choses bizarres chez eux. Parce que le monde spirituel ne repose pas sur les « je fais parce que non ». Le monde spirituel opère sur la base des lois de la pleine conscience. Tu dois être conscient quand tu fais quelque chose. Tu dois connaître l'impact que ce que tu fais aura. C'est ainsi que beaucoup les vies des personnes n'avancent pas. Et je ne cesserai de le redire. Normalement, pour quelqu'un qui est réglo dans ses vies, qui donne ses offrandes every day, every time, qui est church, dans son église, il ne devait pas avoir trop de problèmes dans la vie, logiquement. Parce qu'il y a un principe qui est inscrit dans Malachie 3.10. Lisez Malachie 3.10. Vous verrez qu'il y a un principe inéluctable. C'est Dieu lui-même qui parle. Donc, si toi tu es là, tu m'écoutes, tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, et tu, Dieu ne relâche pas la bénédiction sur toi. Pose la question, est-ce que réellement tu le fais comme il faut?
il y a un problème qu'on ne peut pas. Soit tu as sauté une étape, ou soit il y a des choses que tu ne maîtrises plus ou pas, que tu dois régler rapidement. Les esprits m'ont entendu. Il y a diamant. Il y a diamant. Essayons un peu, pendant que mes lectrices se préparent dans Éphésiens chapitre 6, 18, et nous allons prendre le premier point. Je serai un peu cru ce soir dans mes propos, alors je vous prie de me supporter. On sera très bien. Je suis très mystique ce soir. Essayons un peu d'analyser. Comment expliquons-nous le fait que, je vous pose une question que j'ai qualifierais de question scientifique, hein? Question scientifique ou question analytique. Chaque dimanche, nous allons à l'église. Chaque dimanche, nous payons, nous donnons des offrandes à Dieu chaque dimanche. Alors aujourd'hui, c'était dimanche. Tu es parti à l'église, tu as donné l'offrande. Notre pasteur a dit l'offrande, tu as donné. Deuxièmement, hormis les cultes de dimanche, il y a les cultes de semaine. Les mardis chez l'autre, les mercredis à ITS, les jeudis chez l'autre, les vendredis chez l'autre. Et à chaque culte de semaine, tu donnes des offrandes. Bon, toi, dans le mois, tu donnes des offrandes peut-être même plus de 10 fois. Comment expliques-tu le fait que toi, dans un mois, tu peux donner l'offrande plus de 10 fois, mais tu as toujours les problèmes et les complications, comme je ne sais pas comment le qualifier. Or, dans la Bible, commençons d'abord par Abraham. Abraham a donné l'offrande, a fait 4 autels. Les 4 autels qu'Abraham a bâti, ça a changé sa vie. Abraham fait une offrande. Quelque temps plus tard, Sarah tombe enceinte. Je veux vous emmener à vous questionner. Les offrandes que les hommes de Dieu ou les patriarches ont eu à faire dans la Bible ont ouvert une brèche dans leur esprit, dans leur ciel ou dans leurs cieux. Toi, chaque jour, chaque semaine, tu n'as pas moins de 3 offrandes que tu donnes, mais tu as toujours les problèmes compliqués. Je vous pose une question. C'est dû à quoi? Répondez-moi. Étudions la vie d'Abraham. Étudions la vie d'Isaac. Étudions la vie de Jacob. Jacob, dans la vie de Jacob, je ne l'ai pas lu. Où Jacob a fait plus de 10 offrandes. Non. La vie de Jacob commence à prendre une autre tournure. Quand il fuit son frère Esaü, il dort dans un endroit où il voit, il fait un rêve. Il voit une échelle qui monte, les anges qui montent et descendent. Quand Jacob se réveille, il bâtit là un hôtel. On appelle ça, ils ont appelé ça autrement dans la Bible. C'est un hôtel. Il monte un hôtel là. C'est depuis là que la vie de Jacob a basculé. Il va chez son beau-père, je ne sais plus comment il s'appelle, pour avoir Léa et Rachel. Au retour de là-bas, il fait encore une deuxième offrande à son grand-père Esaü. Jacob n'a pas eu à faire plus de 10 offrandes dans sa vie. Mais regardez comment il a été riche, comment il a été béni, comment il a prospéré. Je te pose une question. Essaie de compter toutes les offrandes que tu fais tous les jours à l'église. Quand on dit contribution, mais construction de l'église, c'est toi qui donnes. Soutenir la mission, c'est toi qui donnes. On doit acheter les matériels, c'est toi qui donnes. Il manque la peinture, c'est toi qui donnes. Dîme, tu paies tes dîmes. On va recevoir un homme de Dieu qui vient de tel et tel pays. Tu contribues, mais tu as toujours les problèmes. Est-ce que c'est logique ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Yes, est-ce que c'est normal? Répondez-moi, Loba, est-ce que c'est normal? Où se situe le problème? Où se situe le problème? Oh my God.
Merci. L'attitude du cœur. Voici un problème. Et le premier point ici dont j'aimerais parler, c'est l'attitude du cœur. Déjà ici, Église, l'une des choses qui fait en sorte que plusieurs chrétiens ne pourront jamais atteindre la richesse, ne pourront jamais atteindre la richesse, c'est parce que plusieurs personnes n'ont pas la bonne attitude du cœur. Je vous donne un contexte. Il y a des personnes dans un premier temps qui sont complexées d'abord. Et dans leur complexe, plusieurs viennent à dépenser par complexe. Sorry for the repetition. Plusieurs dépensent par complexe. Je te donne le contexte. Toi, tu as un niveau de vie compliqué. Mais tu établis des compétitions avec quelqu'un qui a un autre standard de vie. De telle sorte que l'autre a l'iPhone 11. Toi, ton niveau de vie ne te permet pas encore d'avoir l'iPhone 11. Mais parce que tu es complexé, tu vas aller te vendre, quand je dis vendre la paix, tout l'argent que tu as, le peu que tu as, au lieu d'investir, de réfléchir, tu vas te battre pendant 6 mois, l'autre même pendant 1 an, pour acheter seulement un iPhone 11. Or, en t'investissant pour l'iPhone là, tu perds du temps. Comparé au fait que si tu avais investi le plus, le peu que tu avais, ça t'aurait rapporté plus dans le temps que tu as perdu pour avoir l'argent pour acheter un iPhone. Il y a un complexe déjà. On veut tous être à la mode. Et c'est ce complexe-là qui nous emmène un peu à dépenser inutilement. Donc, c'est ce qui crée, d'une part, la mauvaise gestion du 1/9. Je vous parle du 1/9. Après avoir donné le 1/10, quand tu restes avec le 1/9, parfois tu gères mal à cause du complexe. Donc, Église, il est important que tu saches ce qui est bon pour toi dans le présent, ce qui est bon pour toi dans le futur. Tu dois faire la différence entre ce qui est important, ce qui est bien, mais n'est pas nécessaire pour le moment. Parce qu'avoir un iPhone, c'est bon, c'est bien iPhone 11, mais est-ce que c'est important pour le moment? Pour ceux qui ont fait les longues études, à un moment donné, dans quelle matière là, on parle, dans la gestion de projet, ceux qui ont fait gestion de projet, je ne sais pas si en statistique, dans une quelconque matière, on parle de ce qu'on appelle on calcule les risques. Quand on calcule les risques, même à un moment donné, on apprend à minimiser les coûts. On minimise les dépenses, on minimise les coûts. Donc, on évite de prendre des choses qui sont inutiles. Ou on évite de dépenser trop pour des choses qu'on peut avoir à un prix bas. Le complexe. Le complexe. Je suis en train de parler du premier point qui est l'attitude du cœur. D'autres aussi ont du mal à bien gérer le 1/9 à cause de ce que quelqu'un a dit sur la planification. Plusieurs ne sont pas disciplinés. Plusieurs n'ont pas de planification qui s'y est. J'ai envie d'introduire encore une chose. Plusieurs n'ont pas de vision. Il ne faudrait pas que nous puissions faire les mêmes erreurs que nos parents ont eu à faire. Et même certains de nos parents étaient même mieux aguerris que nous. Vous qui êtes parents actuellement, vous avez un enfant, vous êtes mère de famille, père de famille, apprenons aux enfants la gestion de l'argent et la planification depuis même l'âge de 9 ans. De nos jours, les enfants sont pro max. Un enfant de 5 ans, tu penses qu'il est innocent, mais il connaît déjà, il est plus éveillé que son âge. Donc, ce serait important déjà
Nous sommes en train d'aller dans une phase où il faudrait qu'on puisse avoir en Afrique des jeunes de 20 ans, de 23, de 24, de 25 ans qui sont des millionnaires. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on passe le temps à envier les autres personnes de l'autre côté, mais sans pour autant prendre la méthode. Quand on regarde chez les autres, à l'âge de 18 ans, l'enfant est autonome. Il quitte la maison familiale pour avoir son CDI. Parce que depuis le bas âge, l'éducation qui lui a été donnée a été l'éducation de maturité. Chez nous, on éduque les enfants comme si c'était je ne sais pas quoi. On considère les enfants de 9 ans comme les enfants de 5 ans. Et après, à 25 ans, on se plaint que l'enfant est toujours dans la maison. C'était une parenthèse que je voulais faire. Donc, il y a un style et un mode éducationnel qui doit déjà changer. Tu dois faire valoir à l'enfant l'importance. Tu dois montrer à l'enfant l'importance des finances. Non pas dans la dépense, mais dans la planification et dans l'investissement. C'est important et vivre. Esprit, mon message. C'est important. Dans l'état de cœur, je voudrais aborder un deuxième point avant de passer à un autre, de peur de m'étendre. Il y a encore une chose qui fait en sorte qu'il y a des gens aussi qui ne seront jamais riches. Parce qu'il y a des gens qui veulent être riches pour dominer les autres. Il y a des gens qui veulent être riches parce qu'ils veulent montrer à son ennemi en plus, il a réussi. Vous savez, les motivations que tu as dans ton cœur pour atteindre la richesse déterminent où sont des éléments clés qui feront en sorte que Dieu t'ouvrira des portes ou pas. Dans la marche vers la richesse, on fait face à certaines épreuves qui nous forgent. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes, non. Mais ça nous forge et ça nous rend plus prudents. Permettez-moi d'écorcher le français, plus prudents par rapport à ce que nous étions hier. Mais le désir d'être riche, comme l'a dit ma fille, pour assujettir les autres, ou pour dominer, ou pour que l'on fasse que c'est moi qui ai réussi ici, là. Vous, là, vous êtes les, je ne sais pas, les subalternes, je ne sais pas comment on dit. Ce sont des motivations qui engendrent les effets néfastes. Parfois, ces motivations vont te pousser à aller toucher aux choses compliquées. Et j'aime à dire, la jalousie, la colère, l'envie sont les mères fécondatrices de la sorcellerie. Un bon sorcier doit être un envieux, doit être un colérique. C'est la base. Dans le monde de la sorcellerie, pour détecter quelle est la personne qui sera la future reine, on voit d'abord le taux d'émotion négative que cette personne a. Et parfois même, on masque ça avec quelque chose. Non, je veux ça pour ma famille. Mais quand même, tu sais au fond que tu as envie de concurrencer une amie, un ami, ton ex. Donc toi, tu sais au fond que non, mon ex là, il faudrait que. Donc tu n'as pas les bonnes émotions. Ce pourquoi tu recherches véritablement, tu n'as pas. L'état de cœur. Parce que l'offrande, j'ouvre encore une parenthèse, l'offrande ou la dîme va pour répondre pas d'abord à ce que l'on dit, mais à l'état dans lequel nous sommes quand nous donnons. Souvenez-vous de la parole de Jésus. Pendant que c'était le moment de l'offrande, il s'est mis sur la chair là où on le prend. Je crois avec ses apôtres. Et il y a des gens qui sont venus, la Bible dit qu'ils ont donné leur superflu. Mais lui, il était là. Il y a une femme qui était là, qui est venue donner tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Non pas parce qu'elle a dit, je ne sais pas,
Ce qui a fait qu'elle donne plus que tout le monde, ce n'était pas ce qu'elle a donné. Mais c'était l'état dans lequel elle a donné ce qu'elle a donné. C'est ainsi que j'introduis mon deuxième point. Je parlais de l'état de cœur comme premier point. Le deuxième point qui me ferme, ou le deuxième cause vers la richesse, la deuxième clé, c'est celle que je vais introduire ici, qui est la prière. J'aimerais qu'on me lise Éphésiens 6, verset 18, dans deux versions différentes, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6, à partir du verset 18, la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. » Amen. Est-ce que Nelly est là? Une autre version? Quelqu'un a une autre version? Éphésiens 6. Verset 18, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. On va garder celle-là. Reprends juste la première partie, s'il te plaît, la première phrase. Priez sans cesse. Mm-hmm. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Alors, priez sans cesse. Je crois qu'il y a une virgule peut-être. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Dans la version que ma fille a lu au début, on a dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières. J'ai déjà eu à parler sur ce texte. Quand on parle de prière, il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs genres de prières. Il y a plusieurs sortes de prières. Mes amis, il y a des prières qui sont hautement mystiques. Que si on fait ça devant toi, tu vas te poser la question. On est dans l'église, on est dans la secte, on est dans le groupe. Il y a des prières et des prières. Et j'ai longtemps répété ici. Tu dois avoir l'une des choses qui va t'emmener dans la percée, l'un des codes, l'une des clés. Je te pose la question. C'est la prière. Comment tu pries pour tes finances? Après avoir enlevé le 1 dixième, parce que là, je vous parle du 1 neuvième. Quand tu as fini d'enlever le 1 dixième, donc ta dîme, sur ce qui te reste, quel est le genre de prière que tu fais? Comment tu pries pour tes finances? Est-ce que tu pries avant de dépenser? Est-ce que tu fais d'abord, je ne sais pas, un planning selon que nous avons parlé, et tu essaies de voir comment prévoir les choses? Et avant, est-ce que tu pries avant de faire une dépense? Si nous prenons l'habitude de prier pour nos finances, je nous assure, il y a des dépenses que nous ne ferions pas. Il y a des dépenses que nous ne ferions plus. Notre mode de fonctionnement ne doit pas être le même avec d'autres personnes. L'argent est un esprit. L'argent, c'est un esprit. Donc, si tu ne prends pas la peine d'assujettir cet esprit va t'assujettir toi. C'est ce qui explique que beaucoup de personnes ici, quand vous n'avez pas l'argent, votre corps est en parfaite santé. Mais quand vous avez l'argent, vous commencez à ressentir des frissons, la chair de poule partout, les démangeaisons partout. Là même où il n'y avait pas la faim se crée. Là où il n'y avait pas le désir d'avoir une chaussure, tu veux avoir une chaussure. Là où tu ne voulais pas une sortie, tu veux un resto, hein? La diaspora là. Quand tu as un peu l'argent, c'est le resto, papa, pizza. Tu commences déjà à avoir les luxes, les goûts un peu. C'est bien sûr une bonne chose. Mais bizarrement, remarque que quand tu n'as pas l'argent, toutes ces envies-là sont down. Quand tu as un petit 10 000, c'est comme si on appuyait le bouton tout le monde. Comment vous expliquez ça? C'est parce que l'argent est l'esprit. Et remarquez encore une chose. Quand chaque fin du mois, tu touches 100 000, tu as des problèmes et tu vas à 100 000. Mais si on augmente ton revenu mensuel à 1 million, tu
tu ne sauras pas comment expliquer, mais tu auras déjà des problèmes et tu vois tes millions. L'argent est un esprit. Et le type d'argent que l'on touche quotidiennement amène vers nous un type de besoin ou un type de désir proportionnel à ce que l'on touche. D'où il est important de prier pour ses finances. Il est important de déclarer sur son argent. Désolé de le dire ainsi. Tu dois avoir les rituels que tu fais sur ton argent, sur tes finances. Les autres à côté, là, les autres à côté, vous savez, l'ennemi n'a rien créé, c'est un contrefacteur. Hein? Les autres à côté, là, ils ont des chambres compliquées dans lesquelles personne ne rentre. Où là-bas, les serpents vomissent l'argent. Ils ont des sacrifices qu'ils font. Ils ont des moments où ils prient pour leur richesse. Toi, tu es chrétien. Tu n'as pas un temps où tu fais des choses mystiques pour ta prospérité. Mais tu espères seulement qu'un jour, ça tombe comme ça du ciel. C'est impossible. C'est impossible. Je dis, c'est impossible. Sur cette terre, il y a deux choses que tu vas te rassurer d'avoir par-dessus tout. La première chose, c'est Christ. La deuxième chose, c'est l'argent. Ce n'est pas un péché. Je répète, on adore Dieu. On donne tout notre cœur à Dieu. Mais on aime l'argent. Ce n'est pas un péché. Donc ici, déjà, en Jésus-Christ, là, nous tous, on a déjà Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu es là, tu n'as jamais accepté Christ. Je te donne Christ tout de suite là. Qui n'a jamais accepté Jésus. D'accord. Donc, nous tous, si on a accepté Christ, maintenant, après avoir accepté Christ, là, on n'est pas directement au ciel, on vit sur la terre. Et sur la terre, pour gouverner, il faut avoir l'argent. Donc, ça voudrait dire, on a reçu le salut, c'est pour la vie éternelle. Comme j'enseignais à mes enfants, je crois, c'est le lundi dernier, je leur ai parlé sur la parole du salut et la parole du royaume. Il y a deux types de paroles. La parole du salut, c'est celle-là qui nous a amenés à rencontrer Christ et à donner notre vie à Christ. Mais après la parole du salut, il y a la parole du royaume. Dans la parole du royaume, on te donne les codes afin de gouverner sur la terre. Et ce que je te donne ici, ce n'est pas la parole du salut, parce que tu as déjà Christ. Je te donne la parole du royaume. Quels sont les codes que tu peux avoir afin de gouverner sur la terre, afin d'avoir une vie financière stable, afin d'avoir des revenus s'accroître au fur et à mesure. Le désir de Dieu, ce n'est pas que l'on souffre. The Bible say that. Mon désir, c'est que tu prospères à tous égards. La Bible dit, je souhaite que tu prospères, selon le livre de 1 Jean que nous avons ici, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Quand on dit tous égards, ça veut dire tu dois prospérer dans toutes tes dimensions. L'homme est tridimensionnel. Donc, dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a l'esprit. La prospérité de l'homme se trouve à trois dimensions. Dans la dimension du corps, le corps se renvoie à tout ce qui est matériel, nous, argent. Donc, l'argent favorise à la prospérité du corps. L'argent favorise aussi à la prospérité de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle du centre émotionnel. Il y a des émotions que tu n'auras jamais si tu n'as pas l'argent. C'est-à-dire que les émotions compliquées. Il y a des émotions que tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être sur la tour Eiffel. Là-bas, il faut l'argent. Là-bas, il faut l'argent. Tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être ami au bord des mers. Là-bas, donc, ton âme ne va jamais sentir les émotions si tu n'as pas l'argent. Or, un manque d'émotion quelque part, c'est quoi? C'est une carence. C'est un manque de prospérité. Je dis quelque part. Je n'ai pas dit pas. Je dis quelque part. Je n'aime pas nos esprits. Déjà là, tu n'es pas romantique. Là, tu es compliqué. Tu es dur. Même Bisou, tu ne le connais pas. Tu n'es pas romantique. Ce n'est pas de ta faute. Quitte d'abord le village. Va en ville.
Tu vas voir les autres là-bas où le romantisme existe un peu, tu vas apprendre. Tout ça, c'est l'argent. Est-ce que c'est pas le respect qui fait? Et il y a aussi le domaine spirituel. Et bizarrement, je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que les finances ont la capacité d'impacter les trois dimensions de l'homme ou de l'être humain. L'argent peut toucher l'esprit de quelqu'un. Je suis un prophète, je sais de quoi je parle. L'argent peut faire grandir l'esprit de quelqu'un. L'argent peut ouvrir le ciel de quelqu'un. Deux personnes, je te demande de faire une expérience. Va chez ton père, Michel, ou va chez un homme de Dieu. Tu lui expliques ton problème sans offrande. Et retourne lui expliquer un autre problème avec offrande. Tu vas voir que la façon et l'approche de faire est différente. Parce que je vous parle des choses spirituelles et mystiques. Même Dieu, il est tombé dedans. La seule chose qui a arrêté Dieu pendant qu'il allait pour détruire son homme également, c'est l'offrande qu'Abraham a faite. On ne blague pas avec ces choses. C'est mystique. Quand je parle de l'argent, là maintenant, je m'étends. Je ne parle pas seulement de l'apport financier, mais je parle du matériel en général. Il n'y a que deux choses sur cette terre, si je peux me permettre de les choisir, qui ont la réponse à tout. Il y a Dieu d'abord, parce que lui est le solité, et à l'argent. D'où j'ai écrit une citation quelque temps, j'ai dit, il n'y a jamais de problème. Les problèmes n'existent pas. Il y a juste des épreuves par lesquelles on passe qui ont besoin soit de l'argent, soit de l'intervention de Dieu. Sinon, les problèmes, il n'y a pas. C'est juste un manque d'argent, ou un manque de discipline, ou un manque de spiritualité. La plupart des choses pour lesquelles tu passes que tu appelles problème, là, si on te donne assez d'argent, tu ne vas pas appeler ça problème, tu vas les résoudre. Donc, en fait, moi, je crois que les problèmes n'existent pas. C'est juste, soit un manque d'argent ou un manque de hauteur spirituelle. Je vous parle de moi. Comment tu pries pour tes finances? C'est le deuxième point et je vais prendre le troisième, mais on va s'arrêter par ici. Comment tu pries pour tes finances? Quelles sont les choses que tu fais pour tes finances? Je parlais de la première clé qui était l'attitude du cœur. Je parle de la deuxième clé qui est la prière ou les prières. J'aimerais parler ici de la troisième pour ce soir. Et assurément, il y aura une partie 2 ou un séminaire. Je prendrai le soin de parler sur les finances de long en large, les finances et l'église. La crypto-monnaie, je prépare aussi un enseignement sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie et l'église. Aujourd'hui, on est à l'ère du 21e siècle. On parle des cartes bancaires, on parle aussi de crypto-monnaie. Et actuellement, c'est important que tu t'intéresses un peu à la crypto-monnaie. Parce qu'il est important de comprendre, de savoir que la crypto-monnaie, actuellement, c'est comme Facebook. Quand Facebook, aux environs de 2007, 2010, on négligeait un peu Facebook. C'était pas important. Mais aujourd'hui, là, c'est important même parce que au travail, dans certains lieux, on demande ça dans le CV, page Facebook ou non. On va vérifier, on va checker. Aux États-Unis, c'est récent. C'est fréquent. France aussi. On regarde même ton profil sur Facebook. Aujourd'hui, tu n'as pas Facebook, tu n'as pas Instagram, tu es. Et d'ici 5-10 ans, la crypto-monnaie va prendre une autre force. D'où c'est important aujourd'hui d'investir dans la crypto-monnaie. On va en parler vendredi durant notre coaching par la grâce de Dieu sur l'entrepreneuriat. Alors, le troisième point, c'est le travail. Vous savez, après avoir un bon cœur et après la prière, il y a une loi. Le monde est un monde de loi. Et Christ, ou du moins Dieu, a établi une loi. Je suis dans Genèse 3, verset 19, rapidement. Quelqu'un prend Genèse 3, 19. Quelqu'un prépare Proverbe 20, verset 13. Quelqu'un prépare Proverbe 20, verset 13. Proverbe 23, verset 21. Pour ceux qui sont en train de prendre note. Proverbe 10, verset 4 à 5. Je reprends. Proverbe 20, 13.
Proverbe 23, 21, Proverbe 10, verset 4 à 5. Donc, apprêtez-vous, revenez à la lecture, vous allez lire. Donc, il y a une loi qui a été établie depuis Genèse. La chose encore que je n'aime pas chez les chrétiens, c'est que les chrétiens sont des bons prieurs. On passe le temps à prier sans associer l'action à la prière. Prier, c'est bien. C'est le deuxième point dont j'ai énuméré ici. Mais la prière ne suffit pas. Dans le mariage, on ne se nourrit pas des prières et des jeûnes. Dans la vie, on ne se nourrit pas de prières et des jeûnes. Il faut l'argent. L'argent est associé au travail. Tu peux jeûner du 1er janvier au 31 décembre si tu ne prends pas le temps de fléchir le jeûne et tu ne prends pas le temps de travailler le temps pour moi. Tes jeûnes l'auront servi à toi. Parce que quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu pries, tu demandes à Dieu de multiplier ton argent. Mais l'argent ne viendra jamais comme ça, bam! Tu demandes à Dieu de t'ouvrir les portes. Les portes ne vont jamais s'ouvrir, bam! Il faudrait que tu te mettes à l'action. L'action, c'est quoi? C'est le travail. Genèse 3, verset 19. Est-ce qu'on peut lire? Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, à partir du verset 19. La Bible dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. C'est à la sueur de ton visage. C'est à la sueur de ton visage. Moi, j'ai accepté Jésus. Je suis une nouvelle créature. Donc, en temps normal, l'argent doit tomber du ciel. Ce n'est pas normal que je puisse... Écoutez, vous allez vous rendre compte que ce que Dieu dit là actuellement, dans le chapitre 3, cela avait été déjà dit, mais pas de la même manière. Mais c'est juste qu'au chapitre 3, Dieu en a fait une loi et un principe. Quand Dieu crée l'homme, pourquoi Dieu crée l'homme? Il a créé l'homme par son image et tout. Mais après, on dit, il créa l'homme pour que l'homme gouverne. Après, Dieu fait un jardin. Il met l'homme dans le jardin pour que l'homme cultive le jardin. En d'autres termes, pour que l'homme travaille. Donc, depuis la nuit des temps, l'homme a été créé pour travailler. Mais seulement, Adam devait travailler, cultiver ce qui était déjà. La différence entre le premier positionnement et le deuxième, c'est que dans le premier, Adam venait entretenir ce qui était. Or, dans le deuxième, Adam venait d'abord pour mettre, c'est-à-dire l'humain qu'il plantait avant d'entretenir. Je ne sais pas si les gens me suivent. Avant le péché, Adam était un griffe cultivateur, je peux le dire ainsi. Parce que Dieu l'a mis pour cultiver le jardin. Cultiver, cultivateur. Donc, le premier travail qui existait, c'était la terre. On dit ça comment? C'était la terre. Donc, Adam, il est né. Le premier job, le premier poste qu'on a donné à Adam, c'était il faut cultiver la terre. Cultive, entretient le jardin. C'est le premier poste. Donc, Adam, il est né dans les plantations. Il connaît ça. Il connaît les jardins. La seule différence, c'est que quand il est né, il ne connaissait pas comment on faisait pour faire grandir une plante. Il a trouvé, c'était déjà là. Tout ce que lui, il savait, c'était gérer, to manage. Il était comme un manager pour réguler un peu le niveau de l'eau. Bon, il y a trop d'eau, il faut baisser. Pour arranger un peu quand l'épinard commence à partir là-bas, il met le poteau parce qu'il faudrait orienter. Il était là pour gérer, pour manager, pour diriger le jardin. Non seulement la végétation, mais aussi la faune et la flore. Il était là pour gérer ces choses. Mais après le péché, Dieu a chassé Adam. Adam apprend maintenant comment on fait
pour faire grandir. Donc, il devient un cultivateur. Il continue sa fonction de cultivateur, mais il apprend dans les détails comment la plante fait pour pousser. On doit prendre les engrais en main. Donc, là, ça devient pénible. Il apprend, il réapprend pour c'est quoi être un berger. Comment on fait pour gérer les animaux? Il réapprend ces choses dans le travail. Mais c'est une loi qui existait depuis la création. C'est juste que le péché a amené Dieu à corser les choses. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si on me comprend. Je prends une autre illustration. Quand Dieu crée Adam, il le met dans le jardin. Adam est semblable à un fils héritier. Voilà, un fils héritier. C'est-à-dire, quand l'héritier arrive dans la famille, papa a déjà tout fait. Et tout ce que l'héritier sait faire, c'est gérer l'argent de papa ici, gérer les entreprises. C'est comme ça que Adam était au début. Et quand Adam a désobéi à Dieu, il est semblable à cet héritier-là qui a attristé le cœur de son père. Alors, qu'est-ce que le père fait? Il coupe tout, il chasse l'héritier de la maison. Donc, quand l'héritier sort de la maison, lui-même, il apprend à créer sa propre richesse. Oh my God, this is powerful. Il apprend à créer sa propre richesse. Il apprend à monter ses propres entreprises. J'ai l'impression qu'on est perdu. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut me donner des amens? Si tu es là, active ton micro et dis Amen trois fois. Amen. 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 On est avec moi, j'espère. Voici un peu la différence. Si vous avez compris l'illustration de l'héritier, vous avez compris en fait de quoi il s'agissait. Tout ça seulement pour dire que le travail est une loi. C'est une loi. Qui veut aller à la richesse doit travailler. Proverbe 20, verset 13. Est-ce qu'on peut m'aider? J'ai eu la parole de Dieu dans Proverbe 1 à partir du verset 13. La Bible dit, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons. Non, non, non. Proverbe 1, Proverbe 20, 13. 23. Ah, d'accord. C'est bon, je vais lire jusqu'à la page. J'ai lu la Bible dit, je vais lire, merci. La Bible dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Il faut noter ces versets. Prends ces proverbes-là, tu les notes, tu les écris sur une feuille, tu les colles sur ton mur ou bien ton plafond. Là où quand tu te réveilles, tu regardes ça en première position. Tu mets ça là-bas. Proverbe 23, the Bible says that. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Et n'aime pas le sommeil. Comment on dit? Toi, tu n'as encore rien accompli, mais tu aimes faire les grâces matinées. Papa, grâce matinée, j'ai dormi tard. Tu dors tard, on ne sait pas pourquoi tu dors tard. Ça arrive quand on peut dormir tard. Mais à un moment, ne le laissez pas tout le temps. Tu avais 20 ans, tu dormais tard, tu n'as rien accompli. 21 ans, tu n'as rien accompli. Donc toi, les années ne font que passer. Tout ce que tu sais faire, c'est dormir tard et faire les grâces matinées. Tu n'as rien accompli de concret. N'aime pas le sommeil de peur que tu sois pauvre. Proverbe 23, verset 21, la Bible dit ceci. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter les éons. L'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. L'excès appauvrit. Tu ne sais pas te contenter. Toi, tu aimes tout prendre, tout à l'excès. Ça, c'est moi-même que Dieu peut me parler. Tu ne sais pas te contenter. Tu aimes l'excès. Ça appauvrit. Je prends ce texte et je vais terminer par ici. Je vais prendre le troisième texte, c'est Proverbe 10.
Proverbe 10, à partir du verset. Proverbe 10, verset 4, la Bible dit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Que l'on me prenne ça dans un autre. Dans une autre version. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des indigents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. J'ai découvert, et même la Bible dit dans le livre des Proverbes, Dieu est les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Donc, si c'est paresseux, paresseux comme moi, c'est ce que Dieu ne t'aime pas. Il n'aime pas les paresseux. Tu dois apprendre à travailler. Et tu dois apprendre à bien gérer tes finances. Il y a beaucoup de points, mais le temps nous a imparti. Tu dois apprendre à prier pour tes finances. La plus grande clé où les s'il faille catégoriser comme le niveau, les clés les plus importantes de la richesse commencent d'abord. La première, c'est le travail. La deuxième, c'est la discipline. Comment tu dois gérer tes finances? Donc, si tu ne travailles pas, ne t'attends pas à être riche. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes de gens. Je vous raconte l'histoire de mon père spirituel qui a rencontré une dame. Une dame au Gabon. Et cette dame-là vendait du charbon. Elle vendait le charbon, là, le charbon avec lequel on fait les braises, là. Le charbon noir. Au début, non, une dame qui vend le charbon, c'est le plus souvent, elles sont négligées à plus d'une. Quand il s'est approché d'elle, ils ont commencé à discuter, elle restait dans son quartier. Il s'est rendu compte que cette dame-là avait des maisons dans son pays. Elle dit, au Gabon, elle est vue comme une femme qui n'a pas réussi. Mais dans son pays, elle est respectée. Elle a construit à cause du charbon qu'elle vend. Le problème, ce n'est pas le travail que l'on fait, level. Le problème, c'est comment on gère l'argent que l'on amasse du travail que l'on fait. Tu peux même être, toi, tu fais juste des manucures, des pédicures, mais tu construis avec. L'argent ne se trouve pas dans un travail, dans un autre. L'argent se trouve dans l'action. Et de nos jours, sorry, désolé de le dire, et nous tous on le sait, il n'y a plus d'argent dans le bureau. Les bureaux là-bas, il n'y a plus l'argent là-bas. D'abord, il n'y en avait jamais eu. Là où on est jeune, là, c'est là où on doit commencer à penser. À penser investissement. À penser travail. Est-ce que je parle à mes esprits? Et non pas seulement à penser travail, mais on doit aussi penser comment investir l'argent que l'on amasse. Église, j'ai dit ici, nous sommes dans une phase. Dans les deux prochaines années, d'ici 2023, à IPS, on aura des millionnaires. Et je déclare que j'en ferai partie. Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Je parle en mon sens. J'en ferai partie. Et la différence, c'est qu'il y a deux personnes ici. Il y a une, après ce moment, elle va fermer son cahier et ira dormir. Il y a une autre, après ce moment, elle va se mettre directement à l'action. Et je prie que mon Dieu accompagne ceux-là ou ceux-là qui se mettront en action dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais déjà que là, si tu as ta dîme, tu attrapes ta dîme, le temps est avancé, je vais rapidement prier. Désolé déjà pour le temps. J'aimerais que tu prennes ta dîme, tu l'attrapes. Si tu fais dans les affaires, j'aimerais que tu prennes quelque chose, tu l'attrapes. Rassure-toi d'abord que tu es mis de lui sur tes mains. Rassure-toi que tu es mis de l'huile sur tes mains.
Et on va prier. Tu vas prier pour tes finances. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour tes affaires. Tu vas prier pour ton business. Je ne sais pas dans quoi tu fais. Donc, j'aimerais que pendant quelques minutes, nous puissions prier. Active ton micro pour tes affaires. Si tu es entrepreneur, si tu es entrepreneur, prie pour tes affaires afin que Dieu puisse ouvrir les portes. Si tu es, je ne sais pas dans quoi tu es en train de faire, donc décrète et déclare en mettant la main dessus. Est-ce qu'on peut prier pendant 2 minutes? J'aimerais entendre les gens prier. Est-ce qu'on peut activer notre micro et prier pendant 2 minutes? Voilà, je voudrais bien. Je veux t'entendre prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Amen. Je voudrais que tu poses ta main sur tes finances, sur ta marchandise, je ne sais pas. Pose ta main, je vais prier pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare maintenant. La Bible déclare dans Malachie 3, verset 10 à 14. Que tu ouvres les yeux des cieux sur toutes les personnes qui apportent dans ta maison les offrandes, les dîmes. Et les yeux privés, premièrement, pour ces personnes-là qui ont leur dîme en main, pour ces personnes-là qui ont déjà donné leur dîme, je décrète et je déclare au nom de Jésus que les yeux privés des cieux puissent leur être ouverts dans le nom puissant de Jésus. Je commande la prospérité financière en ce qui les concerne au nom de Jésus. Je commande l'ouverture de leur esprit dans le sens des idées innovatrices.
Je commande les marchés, pour ceux qui sont dans le business. J'appelle les marchés. J'appelle les marchés. Je commande à ma terre la faveur en ce qui les concerne. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans les affaires, se lancer dans un nouveau business, je décrète et je déclare que la prospérité soit leur partage sur la base de ta parole. Il stipule que tu ouvres les écluses des cieux sur ceux-là qui respectent le principe des dîmes et des offrandes. Je commande en ce qui concerne tes fils que cette grâce les accompagne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, amen. 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 Dieu vous bénisse. Alors, amen. Déjà, dans un premier temps, je m'en excuse pour l'heure. J'ai dépassé les quelques minutes. Alors, prière de m'accorder encore quelques temps pour les annonces. Déjà, je rappelle que nous nous retrouvons. Pour les personnes qui veulent envoyer d'abord, dans un premier temps, leur offrande. Voici les moyens par lesquels vous pouvez le faire. Donc, quelle que soit votre géolocalisation, vous pouvez le faire par Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon. Il y a Orange Money aussi, Yahweh. Donc, voici les numéros suffisants. Et si vous êtes à l'international, nous avons Monegram, Western India. Et voilà, pour l'instant. Il y a un PayPal, mais nous sommes en train de régler certaines choses avec le PayPal. Donc, et il y a un numéro secrétarial juste en dessous. Vous pourriez écrire là-bas et quelqu'un va vous orienter si vous avez besoin de coordonnées ou quoi que ce soit. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme annonce, dans un premier temps, je rappelle que demain, c'est lundi et c'est la première semaine du mois de novembre et nous aurons notre semaine de jeûne et de prière. Donc, alors écoutez très bien ce que je vais dire. Parce que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Donc, demain, c'est lundi. Donc, le lundi 7 à dimanche 13, nous serons en jeûne et en prière. C'est un jeûne qui se fera pendant 7 jours, dont la thématique, c'est la notion de la fraternité spirituelle. Donc, durant ce jeûne-là, durant ces 7 jours, nous allons jeûner et prier, selon que l'Esprit va nous orienter. Pour ceux qui sont de la maison, ils ou elles savent que quand on est en jeûne et prière, nous avons des moments de prière de 1 heure chaque matin, à partir de 3 heures du Gabon, 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon. Actuellement, le Gabon à la même heure que la France, donc 4 heures de la France actuellement, et 4 heures aussi, je crois 4 heures ou bien 3 heures du Maroc. Je crois qu'actuellement, le Maroc et le Sénégal ont la même heure. Donc, ne manquez pas ces instants, c'est juste 7 jours. Et durant ces 7 jours, nous allons chercher Dieu. Durant ces 7 jours, nous allons implorer la face de Dieu. Maintenant, le jeûne se fera comme le suit. Ce sera un jeûne à eau. Donc, on pourra boire de l'eau. On pourra boire de l'eau. Et nous allons jeûner de 6h à 15h. C'est un jeûne juif. Durant le jeûne, on pourra boire de l'eau. Durant le jeûne, on pourra sucer du miel. Écoutez très bien et prenez note, hein, s'il vous plaît, pour éviter de répéter encore. Durant le jeûne, on peut boire de l'eau. Durant le jeûne, on peut sucer du miel. Et le jeûne, c'est de 6h à 15h. Et après ça, nous nous retrouverons le soir, à partir de 21h, du Sénégal, pour notre culte. C'est ce qui va se faire durant toute la semaine. Mais spécifiquement, le mardi 8, nous aurons un culte spirituel. Parce que durant ce culte, on va faire des choses un peu étranges. Donc, ce sera à partir de 24 heures du Sénégal, donc 1 heure du Gabon. Donc, à ce culte-là, prière d'être en blanc. Parce que ce sera un culte qu'on va prier pour l'année 2023. Les gens du PS savent que nous, on n'entre pas en 2023 le 31 décembre. Nous, on entre en 2023 deux ou trois mois avant. Donc, le mardi, là, on va commencer à prier pour 2023. Et durant ce mardi, là, et le miel, je vais vous donner des instructions que vous aurez à faire. Vous savez,
ça va peut-être déranger certaines personnes, mais on appelle ça dans une certaine connotation les actions prophétiques. Les autres, de l'autre côté, appellent ça les rituels. C'est même ça le mot. Donc, ne soyez pas perplexes, vous ne voudrez pas que ça vous aide. Donc, le miel ici a une capacité compliquée et mystique. Donc, 2022 a été difficile, 2022 a été compliqué. On va rendre 2023 difficile. Je vais vous montrer les codes à faire. C'est pas pratique. Donc, si tu rates le mardi là, la salle sera ouverte depuis 23h du Sénégal, 40-45 par là. À 24h pile, je serai en train déjà de démarrer. Donc, on va prier. Ayez du sel, ayez de l'huile, ayez du raisin et le pain. Donc, on va faire la Sainte Seine ce mardi. Donc, normalement, nous allons mettre 30, maximum 1 heure, et selon que l'esprit nous emmène. Sinon, c'est 30 minutes. Ce sont des moments hautement spirituels et après, on va se séparer. Nous aurons ta Marie là. Et après, le mercredi, on continue notre jeûne et notre culte à partir de 21h. Donc, voici ce que j'avais à dire. Nous allons reprendre l'action en décembre. Je crois que c'est le 18 ou 26 du chapitre. Décembre, on va encore avoir un culte nocturne. Donc, ce sont des cultes qui préparent l'année 2023. Mais la semaine de demain, là, il serait d'être très, 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 très spécifique. Donc, si vous avez des personnes malades, vous avez des personnes. J'ai prié pour Agnès, je crois que Agnès m'a envoyé un témoignage. Donc, son enfant se porte très bien parce qu'il était là. On a prié le dernier. J'ai dit demain, c'est ici. On m'a envoyé l'enfant se porte très bien. Il va bien. Et les choses sont en train de se faire. Dieu se glorifie. Donc, demain, vous connaissez des personnes qui cherchent des enfants. Mariés légalement. Amenez-les. On va les mettre devant les enfants. Je sens une onction de fécondité sur ma vie. Donc, toute la semaine, on va opérer dans le sanctuaire. Donc, voici ce que j'avais à dire comme annonce. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, comme le rappel, je vais le faire. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, après cette semaine, on se reverra le mercredi pour notre culte. L'enseignement et le vendredi pour notre culte de Côté, notre masterclass. Alors, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Pendant que tu lèves ta main droite. Père, je prie et je te dis merci pour ce temps. Je te bénis, je te rends mes actions de grâce. L'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Je prie ce soir que tu sécurises et que tu protèges toutes les personnes présentes dans le nom de Jésus. Et que tu me donnes la force de jeûner jusqu'à demain, pour demain et bien sûr pour demain. Pour l'honneur, la gloire et la majesté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. 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 Shalom. 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 Simon, we cry over every husband, man. We cry over every pregnant wife. We cry over children in the womb. We cry over universities. We cry over our secondary schools. We cry over even primary schools. That revival come, come, come. Revival come, come, come. Revival come. Let your spirit rest.